Eh mais putain! Ah. Qu'est-ce qui se passe sur YouTube? C'est quoi ce bordel? One eternity later. Voilà, y a plus qu'à les brancher. C'est quoi ce merdier? Mais ils m'ont pas prévenu, Apple! Des fils en 2020! Des fils! Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une box, un colis de la marque Avid qui m'a envoyé des écouteurs. Donc on va voir ça ensemble. Ce produit est Bluetooth, le voici, voilà comment je l'ai reçu. On va l'ouvrir les gars puis on va voir ce que ça donne. Et je mettrai une petite note sur 10 à la fin de la vidéo pour ce colis. Mais juste avant de commencer l'unboxing les gars, n'oubliez pas je fais des lives sur Twitch. Allez me suivre sur Twitch, le lien se trouve en description. Ah ah. Et puis nous on se retrouve pour ouvrir ce colis. En fait c'est de la merde. J'ai fait un truc, j'ai cru que ça allait être un truc de ouf, mais pas du tout. Ne le répète surtout pas hein. Et on se retrouve pour unbox ce colis. Fonctionne pas. Voilà. Ok les mecs, on se retrouve pour unbox le petit colis. Et en même temps je vais vous parler un petit peu de ma chaîne Twitch. Qu'est-ce que je fais sur Twitch? Bon les gars, j'ai retrouvé un couteau avec un ours de dessiné dessus. Je pourrais pas faire de tricks. Ah, non, je vais pas le faire. Il est peut-être un petit peu plus pratique. Ok, donc les gars, qu'est-ce que je fais sur Twitch? Je fais beaucoup de live, donc je vous invite à venir dessus. Et puis pourquoi pas faire des concours, parce que j'ai beaucoup de claviers. Voilà tous les claviers que j'ai. Ah, il y en a vraiment beaucoup les gars. C'est pour ça que j'en fais gagner sur Twitch. Alors venez tous me follow sur Twitch les gars, c'est très important. Et étant donné qu'on est bientôt en vacances les gars, enfin pour ma part je suis bientôt en vacances, je vais live beaucoup. C'est pour cela que je vous invite à venir me follow. Ok, on va ouvrir ça simplement. Ok. Donc là, on retrouve les écouteurs, donc faits pour le sport principalement et wireless. Petite boîte assez compacte, petit film plastique qu'on va enlever. Ça fait vraiment sport, genre même ça, regardez. Donc voilà, on va l'ouvrir sans plus tarder les gars, puis on va voir ce qu'on a dedans. Là, il y a une petite texture assez sympathique. C'est la première fois que je vois ça. Écoutez, on ouvre comme ça, pratique. Alors, voici comment ça donne les gars. Alors quand on l'ouvre, ça donne comme ça. C'est plutôt clean, hein. Vraiment très stylé, honnêtement. Et en parlant de sport les gars, n'hésitez pas à me follow sur Instagram, c'est là où est-ce que je monte des stories quand je fais du sport, donc voilà. En parlant d'écouteurs de sport, venez me follow sur Instagram si vous voulez voir le sport que je fais. C'est la même texture que les nouveaux gobelets de McDo, c'est de plus en plus utilisé dans les packagings. Donc voici ce qu'on a eu, on a eu ça, ok, donc ouais ok. Là honnêtement les gars, genre limite je peux même le ranger comme ça. Niveau pratique, ça y est amplement pour le sport. En sachant que quand vous faites du sport, vous voulez pas vous prendre la tête et vous avez souvent pas beaucoup de poches. On va se retrouver sur mon bureau et puis on va tester un petit peu les écouteurs. Donc c'est parti. Ok bien heureux les gars, donc j'ai reçu dans cette boîte du coup les écouteurs principalement, voilà. Qu'ils ont une boîte aimantée, le fil de chargement en micro USB pour pouvoir charger les écouteurs, les embouts de rechange, une petite sacoche pour ranger les embouts et la notice. Donc voilà ce qu'on a eu les gars. On va s'intéresser maintenant aux écouteurs, donc on va enlever les écouteurs pour voir comment ils sont. Donc on a déjà la protection, en fait c'était de la protection. Donc ça se présente comme ça, la boîte avec les écouteurs qui ont une forme assez spéciale, mais c'est pour le sport, retenez bien que c'est pour le sport les gars. Donc c'est à dire que vous pourrez bouger et tout, et honnêtement ça risque pas de tomber normalement. Donc voilà, petite boîte aimantée. Bon, ce qu'on va faire les gars, c'est que on va faire une petite cinématique et ensuite on connecte les écouteurs. Ok les mecs, donc on se retrouve pour tester les écouteurs. Donc je me suis mis dans un angle de vue un peu différent d'habitude. On a les deux écouteurs, on va essayer de les connecter à mon iPhone, mon nouvel iPhone les gars. L'iPhone 11 normal. Je l'ai eu à 450€, c'est vraiment pas cher. Et en plus il y avait quelques accessoires avec, donc c'est vraiment très bénéf. Alors on va se connecter dessus. Là on peut voir qu'il y a une lumière qui s'allume. Et là j'ai un appareil qui s'affiche, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas moi je l'ai. Il faut vraiment aimer par contre, je crois que ça s'appelle l'intra-auriculaire. Parce que les gars, la tête de mer que maintenant là, je m'entends quasiment plus parler. C'est dingue. Du coup quand tu les mets bien, genre t'entends vraiment plus autour. Perso ça me perturbe un petit peu, parce que j'aime bien entendre en fait ce que je dis. Là en l'occurrence on va essayer de mettre une petite musique. On va mettre du Booba. Booba qui est venu sur Twitter récemment. Je vais mettre la musique à fond, je vais écouter.
Ok, alors petit ressenti comme ça à chaud les gars. Déjà les basses sont très bien faites. En fait les basses on les ressent très très bien. L'aiguë aussi, mais les basses elles sont quand même bien faites. Parce que souvent ce qui gâche un écouteur, la qualité d'un écouteur, c'est quand même les basses. Mais là les basses et le son ils sont bien. En fait quand je parle du son, je parle de la hauteur du son. Bon bien sûr j'avais mis à fond, mais honnêtement les gars, on est vraiment dans sa bulle quand on écoute de la musique avec ces écouteurs là. Donc pour le sport c'est évidemment très pratique, étant donné qu'on a ça qui retient. Et en fait ça permet tout simplement de tenir les écouteurs en place. Donc on va faire un petit test. Voilà je suis là et genre je peux faire comme ça. Je vais pas me niquer le coup les gars, mais genre en mode il y a moins de chances que ça tombe. Donc voilà, en tout cas ça tient bien en place, c'est très très cool les gars. Mais il faut aimer quand même l'intra-auriculaire, donc parce qu'en fait ça rentre vraiment dans les oreilles les gars et vous êtes vraiment dans votre bulle, vous entendez plus rien. Donc pour le sport les gars, franchement, honnêtement je vais les prendre et je pourrais les utiliser quand j'en aurai envie. Parce que j'aime bien aussi les fils les gars, parce que d'un côté vous avez pas rechargé tout le temps, étant donné que moi j'y vais environ 3-4 fois par semaine, et bah je suis obligé de les recharger, mais des fois j'oublie. Donc et au moins je suis sûr de tout le temps avoir des écouteurs avec des fils. Donc après la boîte vous la mettez comme ça et là voilà, tout simplement vous la mettez dans votre sac et c'est parti les gars. Ok les mecs, donc pour conclure cette vidéo je dirais que ces écouteurs ils sont très bien si vous voulez faire du sport, parce que certes c'est des écouteurs sans fil mais c'est pas le même design que des AirPods, et puis eux ils ont un côté pratique quand même, ils ont une bonne mise en place et c'est très pratique quand même. Juste la boîte par exemple c'est très pratique, vous emmenez ça au sport dans votre sac, ça passe vraiment très crème. Donc du coup conclusion, très intéressant pour les gens qui font du sport et qui veulent écouter de la musique quand ils en font tout simplement les gars. Je donnerai donc une note de 8 sur 10 pour ces écouteurs les gars, parce que honnêtement ils innovent quand même très bien comparé à tout ce qu'on peut voir au niveau des écouteurs sans fil. Derrière il y a vraiment un esprit, on peut voir que derrière la marque elle a quand même vraiment bien bossé, et en plus c'est très pratique pour les gens qui veulent faire du sport. Je parle bien dans l'optique de faire du sport et pas juste écouter de la musique dans la rue comme ça. Concrètement pour moi cet objet il est vraiment bien si vous faites du sport les gars. Bref en tout cas tout se trouve en bas dans la description les gars, n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram et sur Twitter. Sur Instagram j'ai récemment posté des photos donc allez like, et je poste tous les jours des stories sur Insta, donc venez me suivre si vous voulez savoir ce que je fais un petit peu de mes journées. Bref moi je vous laisse, on se retrouve à la prochaine pour Nolido, c'était GX, et puis voilà, merde, à la prochaine.